c'est ce qu'on oublie. Fatigué par les profs et les remises à niveau. Fasciné par les grands qui finissent en zone ou dans le caniveau. Voilà le scénario de la vie qui nous est destiné. À nous de choisir de la subir ou de l'esquiver. On joue tous le même rôle. Scénario, prisonnier du haut. Vous les jeunes là, quand on vous dit de ne pas faire quelque chose, vous faites toujours. Il faut suivre à la lettre toutes les interdictions que je t'ai faites. Hein? C'est clair? C'est clair? Oui. Tu reviens ici pour dire gna gna gna, tu vas voir. Merci beaucoup. Ouais, si on ne dit pas, au revoir. Le scénario de la vie qui nous est destiné, à nous de choisir de la subir ou de l'esquiver. On joue tous le même rôle. Oui. Ah, madame, bonne arrivée. Merci. Ah, ça fait longtemps. Oh, ça fait vraiment longtemps. Ça va, non? Non, ça ne va pas. Ah bon? Oui. Ça ne va pas toujours? Oui, je suis là pour l'état de mon fils, ça ne va pas. Donc la maladie de ton enfant là, ça ne va pas toujours. Ça ne va pas. J'ai suivi toutes tes instructions, mais rien ne va. Ah, madame. Voilà. La maladie de ton enfant ne vient pas de la terre. Ah bon? Oui, ça vient du ciel. Encore? Oui. Donc on doit faire descendre les anges du ciel pour guérir ton enfant. Ah. Ah, madame. Il faut qu'on paie. Un bélier blanc, bien blanc, il se dit, de la farine. Hey, ça suffit comme ça. La première fois, tu m'as dit la même chose. Deuxième fois, la même chose. Je n'ai plus l'argent. Donc, tout ce que je t'ai donné, là, il faut prendre dedans, tu achètes tout. Et puis, si l'enfant va mieux, je viendrai te payer. Madame, je te dis, si tu ne veux pas mes services, tu peux partir. Comment je peux partir? Ça, je veux dire quoi? Comment je peux partir? Tu me fais trimballer depuis là, je viens ici, tout ce que je veux là, tu ne me fais pas. Où encore? Tu crois que l'argent là, je le cueille où? Tu crois que je le cueille où? Madame, ça veut dire quoi? Comment viens de moi, hein? Et puis après, tu crois que je peur de toi? Ah bon? Les gens de petit chien, tu me fais des papas pour rien, quoi? Madame, sors de ma maison. Je ne sors pas. Sors. Je ne sors pas. Je vais te maudire tout à l'heure, tu vas voir. Où est-elle? Yo, prenez-y. Viens ici, tu vas voir tout à l'heure. Regarde-moi ça. Ça veut dire quoi? Tiens! Sinon, tu vas faire quoi? J'ai fui, mais je n'ai pas peur de toi, hein! Je n'ai pas peur de toi! Regardez ma soeur pétition de pacotille là! Tu crois que quoi? Depuis là, tu me fais trimballer dans le quartier! Mais c'est pas toi, hein! C'est moi! Si je savais là, j'allais prendre mon fils à aller chez un pasteur au lieu de venir chez toi! Les femmes impolies qui ne respectent pas le mariage à la maison! Prends-moi la vie! Je veux pas finir ma vie dans ce entre les portes que la chance a raté et qui commence à déraper. Faut choisir un avenir et comme on s'est app. Tu crois que j'ai peur de toi? Escroc, va, tu me fais trimballer dans le quartier depuis 2 mois. C'est quoi? Tu crois que j'ai peur de toi? Faut rien. Escroc, fais-tu chien de valeur. Il ne faut pas gâter mes affaires ici. Tu vois quoi? Hein? C'est un faux. Tu es un pétition. Regardez ma femme. Oh, est-ce que tu es un pétition? Oh, regardez ton pétition. Tu n'as pas de quoi? Pro. Hey. Ça, ce n'est pas toi. Hein. Un jour. Je vais t'en goûter. Hein. Hey. Okay. Tu as chance. Tu as chance que mes esprits soient en congé. Madame, et des femmes comme ça qui ne respectent même pas leur mari à la maison. Chia. Mais tu vas me voir un jour. Madame, qu'est-ce qu'il y a? Mais calmez-vous, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas ce charlatan de pacotille là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Calmez-vous, madame. Calmez-vous. Mais dis-moi ce qui ne va pas avec lui. Il a pris l'argent chez moi qui va guérir mon fils. Depuis là, ça fait la troisième fois que je viens le voir. Mais toujours rien. La santé de mon fils ne va pas toujours. Je viens chez lui et puis il m'insulte encore. Il dit qu'il veut m'envoûter. Comment? T'envoûter? Oui. Bon, ce qu'on va faire maintenant, tu vas calmement rentrer chez toi. Et après, on va se voir pour en parler.
Concrètement, je ne sais pas sur quelle adresse tu es, mais je suis qui doit me donner ton adresse pour qu'après je puisse venir te voir. D'accord? Ok, donne-moi ton contact. Je vais m'étonner. Banquier, mais on finit par braquer la banque. On veut faire partie d'un gang pour brasser des bars. Placer un Beretta dans la manche pour pas se faire bébar. On prend la vie de face en mission. Oui? Ah! Ça l'est bienvenue. Merci monsieur. Asseyez-vous. Monsieur, oui. Vous êtes un grand quelqu'un. Ça c'est sûr. Et vos affaires, ça marche. Oui. Je suis un grand homme d'affaires. Je suis dans l'import-export. C'est ça, ça je vais voir. Mais ces derniers temps-ci là, tes affaires ne marchent pas bien. Vraiment? Oui, oui, oui. Vous avez vraiment vu ça? Oui. Monsieur. Oui. C'est un de tes meilleurs amis, hein, qui fait ça. Qui ça peut être ça? Un meilleur ami, je dis meilleur bien. Ami? Oui. Mais c'est Rigobert alors. Rigobert. Rigobert? Tu dis? Rigobert. Voilà, c'est ça, c'est oh. Même ça. C'est Rigobert. C'est pas vrai, Rigobert ne peut pas me faire ça. Je lui ai fait sortir de la misère, je lui ai donné un emploi, j'ai donné de l'argent à sa femme pour faire du commerce. Ah, Rigobert ne peut pas me chercher du mal. Mais c'est pas possible. Tu es sûr que c'est Rigobert que tu as vu là-bas? C'est ça. Non. C'est ça. Mais on va trouver une solution. C'est vrai? Je vous en prie, faites tout ce qu'il y a de votre pouvoir pour que je retrouve mes affaires. Faites tout votre possible. Monsieur. Oui. Tu vas donner 70 735 francs. Et c'est tout. Et vous êtes sûr que ça va marcher? Ouais, ça va marcher. C'est tout ce que vous voulez? Oui. C'est tout ce que les esprits veulent? Je dois donner ça oui. Chèque ou bien contre. Non, non, non. En même temps? Ah, oui, oui. Il n'y a pas de problème. Oui. Je devais avoir une enveloppe de 100 000. Ah tiens. Voilà, c'est une enveloppe de 100 000 francs. Ok. Donc vous pouvez garder la monnaie. Gardez la monnaie. Ah, ok. Il n'y a pas de problème. Gardez la monnaie. Voilà, les esprits ont accepté. Ah bon? Oui, oui. Donc j'y arrive. Hein. Je vous en prie. Donne-moi la vie, scénario. Je veux pas finir ma vie dans ce. Entre l'époque que la chance a raté et qui commence à déraper, faut choisir un avenir. Et comme on sait app, on fait un CAP. Mal orienté car les conseillères nous mentent. On voulait devenir banquier, mais on finit par braquer la banque. On veut faire partie d'un gang pour brasser des bars. Placer un Beretta dans la manche pour pas se faire bébar. On prend la vie de face en missionnaire, attendant que les choses se. Bien. Voilà ça là. C'est très puissant. Ça c'est bon. Arrivé à la maison, quand tu veux aller dans tes affaires là, tu prends ça. Tu manipules bien là. Après, allez, dépose, tu pars. C'est tout. Tu laisses et tu pars. Vous êtes sûr que ça peut faire mes affaires? Monsieur, oui? D'ici la fin de cette semaine, toi-même tu viendras témoigner. Ah mais ce petit truc là. Je t'assure, c'est très fort. C'est pas la blague ici. Ok, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Non. À la prochaine. Non, ici si on ne dit pas au revoir. Ok. Oui. C'est bizarre, nous, là. Ah, 100 000 francs. C'est bon, ça. La vie, scénario. Je veux pas finir ma vie dans ce. Entre l'époque que la chance a raté et qui commence à déraper, faut choisir un avenir. Et comme on sait app, on se fait un CAP. Mal orienté car les conseillères nous mentent. On voulait devenir banquier, mais on finit par braquer la banque. On veut faire. Ouais, ouais, ouais. Ah, ami, c'est toi. Oui, c'est moi. Non, j'arrive. Ah, 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 mais ami. Viens t'asseoir ici.
Merci beaucoup. Hey. Comment? Ça va. Et chez vous? Ah, ça va, ça va. Et les affaires? Ah, ça va, ça va. Mmh, ça va. Comment? Ça va très bien. Mais vous êtes devenu quotidien là? Ah oui. Ah bon? Je suis venu vous annoncer une très bonne nouvelle. Ah bon? Oui. Une très bonne nouvelle. Oui, dis. Hier, quand j'ai quitté chez vous, je ne suis même pas encore rentré à la maison. Quand j'ai reçu un coup de fil d'affaires, je vous appelais. J'étais vraiment, j'étais émerveillé. Je sais que ce que vous avez fait, c'était vraiment du pur quoi. Moi, je le blague pas. Vous êtes un vrai des vrais. Voilà. Vous êtes le plus rare. L'oiseau rare. Ce qu'on cherche, on ne trouve pas. Je suis le plus grand ici. Mais il y a des gens qui viennent m'embêter ici seulement. Ah bon? Oui. Bon. Compte tenu de ce que vous m'avez fait, ah ouais. Si je fais cette affaire, je viendrai changer votre couvert. Je vais mettre de l'aluminium ici, je vais changer votre vie. Voilà. Je vous serai très reconnaissant. Elle a dit aussi, bon, faire de même pour toi. Je vous en prie. Vraiment, il faudrait que tu commences d'ailleurs pour te donner quelque chose. Hein, ah bon? Ce matin, je suis tellement content. Je suis tellement content. Je n'ai pas beaucoup d'argent sur moi, mais... On va faire beaucoup de choses. Bon, prenez, c'est... 30 000 francs, je vais vous donner 30 000 francs. Juste pour vous dire que ce que vous avez fait, c'était impeccable. Voilà. C'était un coup de maître. Oh non. Ce qui est sûr, oui. On va faire d'autres choses plus que ça. Là où je suis maintenant. Il faut revenir. On va travailler. Vous serez pour moi un protecteur. Voilà. Il ne faut pas avoir peur. Spirituellement. Oh, il ne faut pas avoir peur. Contre mes amis, les envieux, mes ennemis. C'est ça. Et tout ça, moi, toi. Maintenant, là, si tu as besoin de quelque chose, là, arrive. Et je vous suis reconnaissant, non, moi je suis avec vous. Ok. Si vous avez un petit problème là, n'hésitez pas. Mes portes sont grandement ouvertes. Allô. Oui, monsieur Bonimoto. Oui, c'est moi-même. Oui, c'est John Peterson. Ne vous inquiétez pas, je pensais venir voir votre comptable à 14h et là il n'est que midi. Ah bon? Je n'en manquerai pas, je n'en manquerai pas. Vous êtes entre de très bonnes mains. Oui, je vous en prie, je vous assure. Oui. Considérez comme c'est fait. Considérez comme c'est fait, c'est fait. Ah bon? Vous avez rehaussé la position à 2,5 millions? Non, ça ne me cause aucun problème, non, mais nous sommes dans les affaires, ça fait longtemps. Seulement, bon, je suis un peu surpris que vous avez élevé la position à 2,5 millions. Mais ça ne me gêne en aucun cas. Ce qu'on va faire, je vais passer voir le comptable à 14h, je serai là. Je ne vais pas manquer. Je vous assure, vous êtes entre de bonnes mains. Ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien. C'est comme si ce sont des roulettes, quoi. Non, ne vous inquiétez de rien. Ah oui, bye. À plus. Oui. Ne manquez pas de saluer votre femme pour moi, hein. D'accord. Merci, je ne vais pas non plus manquer. Merci. Ah, mon partenaire qui vient de m'appeler ça. Ah bon? Monsieur Boniboto. Un grand homme d'affaires aussi. Ah bon? Il vient de me dire que après c'est toi. La caution c'était à 1,5 million. C'est ce que je pensais aller déposer, mais il vient de me dire que ça s'est élevé à 2,5 millions. Et bon. Donc si vous ne le déposez pas là, ça ne va pas marcher. Non, je ne peux pas prendre l'affaire parce que c'est une affaire que je dois aller prendre et aller livrer en même temps, quoi. Ah, c'est cool. Je vais appeler un ami pour voir s'il peut me passer de l'argent. Si je trouve quelqu'un qui peut me donner les 1 million maintenant, et jusqu'à peut-être 17h du soir, je peux venir lui remettre peut-être avec 50% de bénéfices. Hein. Ah bon? Oui, parce que c'est une affaire, ce serait comme si je plaçais de l'argent quelque part et aller récupérer après 1 heure de temps ou 2 heures. Voilà. Et ça, c'est une très bonne affaire. Mais je vais appeler mon ami. Ah, monsieur, attends. Ah bon? Oh, oui, attends. Vous avez quelque chose à me dire? Tu dis, oui? Tu veux 1 million. Oui. Et après 2 heures de temps, tu reviens avec 50%. Monsieur le petit chef, vous voulez faire des affaires, ça? Ah non. C'est que... Le monde des affaires vous intéresse. Voilà. Donc, et après, oui? Vous revenez avec 1,5 million. Justement. C'est-à-dire,
En plus de mes... Si je te donne les 1 million, oui, je reçois 500 000. 500 000 dans 2 heures de temps. C'est comme ça marche dans le monde des affaires. La fin que vous avez vue, mon frère. La fin que vous avez vue. C'est de ça que je parle. Ah bon? Oui. Donc, après, tu ramènes 1 500 000. C'est comme intervalle de 2 heures de temps. Je vous apprends. Intervalle de 2 heures de temps. C'est quand vous en... Juste aller montrer la caution que j'ai une caution de 2 500 000. Et je reviens, je prends l'affaire, je vais liquider. Je vais déposer dans une autre entreprise, on me fait une facture, je fais toute une facture, on me paye, puis moi je vais vous payer. Monsieur, il ne faut plus parler. Ah bon? Attends-moi. Ah bon? Oui, attends-moi. Ok. Voilà le scénario de la vie qui nous est destiné, à nous de choisir de la subir ou de l'esquiver. On joue tous le même rôle. Scénario, prisonnier du haut. Scénario, on est tous ici. Monsieur. Oui. Voilà. Comme. Tu as 1 million dans la banque. Je vous fais confiance. 1 million? Oui. Mais monsieur, ouais, je ne sais pas, vous êtes pour moi un sauveur. Nous sommes devenus des... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous, monsieur? Dites-moi ce que vous voulez que monsieur, je fasse. Monsieur, vas-y. Ou bien? Oui. Donc, tu reviens tout à l'heure. Je reviens dans 2 heures du temps. Avec 1 500 000. 1 500 000. Hein? 1 500 000. On est d'accord, non? Je vous assure. Okay. 1 500 000. Hé, hey, monsieur, attends. N'oublie pas que je suis féticheur. Hein. De quoi inquiétez-vous, monsieur? Hein? Vous avez déjà goûté à ma générosité? Dans 2 heures au plus, 3 heures au plus. Hein? Au plus 2 heures. Hein? Ne vous inquiétez pas. Donc, à tout à l'heure. Oui. Hey, oh, à tout à l'heure. Je ne sais pas si je n'ai pas du tout des petits trucs là sur moi. Ah. Je ne sais pas si vous pouvez me trouver au moins 25 000 ou 35 000 comme ça là. Pour faire le déplacement, quoi. Je vais vous donner avec des intérêts aussi. Bon, bon, ce qu'on va faire, hein, ce que tu m'as donné tout à l'heure. Oui, oui. Hein, je te donne 25 000 dedans. Ah bon? Hein, oui. Ouais, si tu me donnais les 30 000, je ne vais pas bien. Ah. Bon, ok. Ok, d'accord. Monsieur le petit chef, vous avez le sens des affaires. Ah, oui. Donc, dans 2 heures de temps, vous avez fait un bon placement. Okay. Une très belle affaire. Dans 2 heures de temps. Ok. Ah. Et vous n'allez pas surtout regretter, hein? Ah oui. Vraiment, c'est ça, c'est des gens comme ça qu'on veut. Ah, vraiment, c'est bon quoi. Dans quelques heures, 1 500 000. Je n'ai rien fait, je vais gagner 500 000 comme ça gratuitement. C'est ça les affaires, les gens ne comprennent pas. Le scénario de la vie qui nous est destiné, à nous de choisir de la subir ou de l'esquiver. On joue tous le même rôle. Mmh. Ouais, les enfants marchent maintenant. Bonjour Todé. Bonjour. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Aidez-moi, j'ai un grand problème à la maison. Hé, hey, hé, hey, madame, ça va. Ça va. Allez, revenez demain. Quand fais-tu ce pas? Je dis, allez, revenez demain. Vous ne comprenez pas. Ce soir. C'est terminé. Parfait, vous ne me connaissez pas. Je dis, revenez demain. Les esprits sont couchés. Revenez demain. Donc, je dis, allez là. Oh là, reviens. Allez, allez, allez. Allez, revenez demain. Non. Ah, on fait hein? Allez. On parle de 500 000, 1 million. Et... Non. Vous croyez que c'est vos affaires de 10 000, 7 000, tout ça là. Non. On parle de choses. Donc, comme ça, dans 2 heures de temps, j'aurai 500 000 en plus de mes 1 million. Et puis, ce n'est pas tout. Hein. Il a dit des surprises. Ça fait longtemps que je ne suis plus parti au restaurant Pili Pili. Ah, ce soir, ce sera la fête. Oui. Pardon. Voilà le scénario de la vie qui nous est destiné. À nous de choisir de la subir ou de l'esquiver. On joue tous le même rôle. Il ne prend pas. Voilà. C'est coupé long. Oh, c'est coupé. Hein? Il n'a cessé. Je viens tous. C'est pas vrai. Hey.
est inaccessible. Non, ce n'est pas vrai. Donc le gars a pas volé ou bien quoi? Hein? Il m'a volé. Heureusement pour lui que je n'ai une puissance. Il m'a escroqué. Mais Emilio, oh, mais Emilio là.